Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo wishlist. Tu connais, c'est des vidéos que je kiffe faire parce que c'est des vidéos un peu où tu peux rêver de paires que t'auras peut-être jamais dans ta vie. Même si là, j'ai pu avoir pas mal de paires qui me faisaient vraiment rêver. Donc préparez-vous à voir pas mal d'unboxing sur ma chaîne. Enfin, quand je dis pas mal, c'est 2-3, tu vois. On s'est fait un peu plaisir, vous verrez. Mais là, pour l'instant, c'est surtout des paires qui sont sur mon téléphone. Je vais vous en parler directement. Alors, tu connais, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la Dunk Ben & Jerry's. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Même moi, je m'y attendais pas. En fait, la première fois que je l'ai vue, je vous en avais directement parlé sur Insta. J'avais pensé à une vache mal maquillée, clairement. Les motifs vaches avec les couleurs, je trouvais que ça collait pas du tout. Et après réflexion, après l'avoir vue pas mal de fois, surtout sur une influenceuse que j'admire, enfin que j'admire. Genre, je kiffe ses posts, je kiffe ses photos. Elle l'avait portée dans un outfit, elle a plein de stickers, elle l'avait portée dans un outfit, j'étais fan. Genre. Et encore plus important, j'en ai rêvé, genre. C'est chelou, hein, mais j'ai rêvé que je la portais au pied, elle m'allait trop bien, donc maintenant je la veux. Par contre, le prix, ouais, je serais abusé. Je sais pas si j'ai la foi d'économiser, sinon elle va juste rester un rêve, on verra. Après, c'est des paires que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. J'ai les Air Max 270. Bleu et rouge. En fait, je sais pas ce que j'ai avec les Air Max 270 en ce moment, que ce soit les normales ou les Riyad, je kiffe le modèle. Donc je voulais la bleue et la rouge, j'en avais déjà parlé dans d'autres wishlists, mais depuis je les ai toujours pas achetées. Elles sont pas ultra chères comparées aux paires qui me faisaient vraiment rêver à l'ancienne, mais j'ai la flemme de les payer en fait, j'ai vraiment la flemme, je sais pas ce que j'attends. Je crois que j'attends un peu que ça se passe, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais voilà. Il y a aussi une autre Air Max 270 que je veux du coup, c'est une React cette fois, le modèle un peu coloré, enfin bien coloré de toute façon, comme j'aime. De toute façon vous connaissez mes goûts de moment, quand il y a beaucoup de couleurs que je trouve bien associées, forcément bah je craque. C'est une paire qui date, hein. C'est une paire qui était grave portée à l'époque, je la voyais de ouf, j'ai un peu honte. Mais je connaissais pas le nom en fait, c'est pour ça que je pouvais pas l'acheter. Et comme c'était que des gens que je voyais dans la rue, bah je pouvais pas leur demander c'est quoi ta paire, enfin je sais pas. Enfin quoi que si je pouvais en fait. Bah, j'avais peut-être pas les couilles ou pas la foi ou pas la patience, j'en sais rien. Mais en tout cas je veux cette paire là. Air Max One Khaki, hey, j'ai tellement honte d'en parler parce qu'elle date de ma toute première wishlist. Elle est accessible, elle est dispo sur StockX, y a aucun problème. En fait il faut juste que je l'achète quoi, je sais pas ce que je fous. Non, au bout d'un moment il va falloir que je sois sérieux dans ma vie. Ça va pas du tout là. Mais ouais, simple, le modèle Air Max One tranquille. J'aime pas trop les couleurs comme ça, comme le khaki, mais là je sais pas, je trouve que ça passe bien dans cette Air Max One. Je suis écarché en prévisible en fait. Les TN Blue et Purple là. C'est les coloris OG. En fait au final j'ai que la Tiger et ça me saoule un peu. J'aimerais bien ces deux coloris parce que ça fait longtemps que je les veux eux aussi. Sauf que eux je trouve que leur prix est vraiment abusé en fait. Pour une paire aussi banale et pas du tout confortable. Enfin moi en tout cas celle que j'aime, je suis mal dedans. Donc je vous avoue que j'ai un peu la flemme de mettre autant dans une paire comme ça. Après il faut ce qu'il faut, hein. Il faut savoir ce que tu veux. Donc voilà, j'aimerais bien ces paires là quoi. Avant dernière, j'aimerais bien une Jordan 1 Low Orange. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Le modèle Jordan 1 Low, en fait je trouve que c'est un modèle qui est plutôt confortable. Moi je trouve que t'es bien dedans. Je trouve que t'es mieux dedans que dans une Jordan. Après niveau style c'est autre chose, ça dépend des goûts, moi j'aime les deux. Mais t'es bien dedans, moi je trouve que ce modèle est taillé pour rien. Et après il y a des RSX que je veux, mais je pense que si j'en parle trop je vais me faire insulter, donc je vais juste vous afficher les couleurs. Purple, j'arrive pas à le trouver, s'il y a quelqu'un qui sait, il est en 45, sur Insta. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la paire que vous voulez, ça m'intéresse toujours, mais vraiment toujours de savoir quelle est la paire que vous voulez le plus en ce moment. Moi je pense que si je chope ces paires, je vais pas vous faire d'unboxing, à part pour la première, la Ben & Jerry's, parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Les autres clairement pas. Par contre les unboxings qui vont arriver, c'est des paires qui étaient dans mes anciennes wishlists que j'ai pu avoir. Donc restez connectés, surtout sur Instagram. De toute façon je vous annoncerai quand je ferai des unboxings. Tout ce que je dois prévenir, de toute façon ça sera sur Instagram ou sur TikTok, ça dépendra de mon humeur. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, portez-vous bien. Tchuss.